Salut! Et mon jeu crash! Yes! Lourd! Incroyable! On va essayer de rien toucher, pas de faire de retour Windows et tout, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui me fait crash. Hello, Night City! Merde, non, ça va crash. J'ai appuyé sur Windows comme un débilos. Bravo. Une perte de temps. C'est pas son père. C'est plus vite. Incroyable. Bon, on était où? On faisait ça. Goro, avant de sauter, sache que tu peux te faire aider. J'ai une assistance téléphonique 24 heures sur 24. Ce n'est pas drôle. Le défilé va bientôt commencer. J'ai ajusté les données d'Okada-san. Je te conseille de bien les examiner. Tu as des troubles de l'attention, c'est ça? Tu peux continuer? Oui. Le malware fonctionne. Bien mieux, je l'espérais. On a des yeux et des oreilles dans la salle des gardes. J'ai regardé la vidéosurveillance. Je sais où sont postés les snipers. Ils sont trois. Tu dois les rendre inoffensifs avant qu'ils s'occupent de moi. Tu peux les atteindre de différentes façons. Le premier est tout près. Ça devrait être facile. Le second, ce sera moins facile, tu devras grimper. Quant au troisième, il est caché sur la passerelle au-dessus de la rue. On est là. Le char de Hanako-sama s'arrêtera là, près
de la sortie de secours qu'on empruntera quand ce sera fini. De ces endroits, tu auras une bonne vue sur le défilé. Mais les snipers verront encore mieux ce qui se passe. S'ils te remarquent, adieu le voleur. Mais si ça te paraît risqué, n'oublie pas que moi, je dois sauter sur le char, passer par une fenêtre et parler à Hanako-sama face à face. Oh. C'est cette discussion que je redoute le plus. Est-ce que tout est clair? Tu es prêt? Attends. Si jamais ça tourne mal, on a un plan B? À ton humble avis, carrément pas. Je suis accusé de trahison envers Arasaka. Je vais bientôt tenter de parler à la sœur du PDG en personne. Il n'y a pas de plan B. Il faut que celui-ci marche. Tu es prêt? Et toi, tu l'es? C'est moi qui ai élaboré ce plan, non? Et en oubliant un petit détail de rien du tout. Ton ami, Oda. Oda est un homme d'honneur. Je suis convaincu qu'il ne m'attaquera pas. Peut-être. Mais tu vas tomber sur Hanako, et en plus par surprise. Tu marques un point. Dans ces moments-là, c'est l'instinct et les réflexes qui prévalent. Donc, j'espère que je suis toujours plus rapide que lui. Sois prudent, Goro. Bon. It's time. Le défilé. Ok, c'est tout bon. Alors, commençons. Tu dois atteindre tous les snipers avant l'arrivée du char de Hanako-sama. Activité suspecte dans le secteur 3C. Un junkie barbu près du stand de ballon. Il y a 50 ans, c'est à Night City. Patrouille, Tony. On montrait leur vrai visage. Bon, j'ai descendu de plus proche. Maintenant, saute sur le balcon près de la flèche verte et prends l'ascenseur. Une fois en haut, prends la passerelle pour traverser la rue. T'as de la merde dans les autres, c'est pour faire enculer. D'accord. Faites votre putain de boulot. Compris.
de merde. C'est ce putain d'Adam Smasher. C'est le type qui t'a buté? Ce sale enculé est à peine humain. Mais tu sais quoi? Je suis content qu'il soit là. T'es content? Vu que je me suis réveillé dans un monde sans sabots, je vais devoir me contenter de Smasher. T'en contenter? Putain, vois que t'as rien à perdre, toi. Bon, d'accord, j'aurais dû dire nous. C'est toi qui vas presser la détente, je suppose. Essaie d'attendre la zone de maintenance. Je pourrai grimper depuis là-bas. La passerelle a pas l'air très stable. T'es bien sûr que Takemura va pas essayer de te baiser? Merde! Fais tomber! Attention! Ne te fais pas remarquer. Je te l'avais dit. Tu dois trouver le moyen de descendre. Fais attention. Oui, comme ça. Prends ton temps. J'ai besoin de toi. Pas de ton cadavre. Dans un centre, prisonnier de guerre. Un mois après avoir été descendu au-dessus de l'île Saburo Arasaka. Pilote dans le 3e escadron au rang de sergent-chef. Fondateur et PDG de la plus grande entreprise de défense de l'histoire. Soldat, industriel, visionnaire. Mon père, ces mots ne s'adressent pas à ses amis, aux membres de sa famille ou à ses associés. Ils s'adressent à ses ennemis. Et ce n'est pas par hasard que je les prononce ici, dans cette ville. Il y a 50 ans, c'est à Night City que nos ennemis ont montré leur vrai visage. Une lâche attaque terroriste qui a coûté la vie à 4000 personnes. Des employés d'Arasaka Corporation. Contact ennemi! J'attaque! Il y a toi! Et pourtant... au jus. I
Je sais pas si c'est un truc tant qu'il pleut. En tout cas, je suis désolé. Je peux rien faire. J'ai tiré dans un bidon. Tu dois trouver quoi de descendre. Fais attention. Oui, comme ça. Prends ton temps. J'ai besoin de toi. Pas de ton cadavre. Dans un camp de prisonniers de guerre, un mois après avoir été descendu au-dessus de l'île de Guadalcanal. Taburo Arasaka, pilote dans le 3e escadron au rang de sergent-chef, fondateur et PDG de la plus grande entreprise de défense de l'histoire. Soldat, industriel, visionnaire, mon père. Ces mots ne s'adressent pas à ses amis, aux membres de sa famille ou à ses associés. Ils s'adressent à ses ennemis. Et ce n'est pas par hasard que je les prononce ici, dans cette ville. Encore quelques mètres, il y a toi.
Fais qu'aggraver ton cas. Sors de là. Il y a des gens que je peux comprendre. C'est pas bon, ça. Maintenant, j'ai attiré son attention. Débranche ta collection. T'es là depuis un moment. Fais une pause. Vous voyez là ? Tu t'avais prévenu. Trop fort.
J'ai réussi à... Audra, il est mort. Il respire. Pour l'instant. Je t'en prie, V. Aie pitié de lui. Plus rien ne devrait te barrer la route maintenant. On continue. Vous, votre putain de sens de l'honneur. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Remerciez votre vieux pote Goro. Ok, c'est bon. Je suis en ligne et dans le système. Hanako est à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe un coup de fil, je crois. Essaie d'écouter. N'oublie pas de désactiver les alarmes. Il faut que je puisse. パレード中止すれば弱さを露呈したと思われる弱さ誰の？あなたの俺たちのだ私が参加したのは悪魔でもお父様を追悼するため操り人形になるためじゃないわこの見せ物ではみんなに役割がある道子は文句を言ってないぞだがお前が言うなら中止でもいい全部やめたお前の安全が大事だからな兄さん やり終えましょうありがとう、花子せっかくの式典だやり終えなければ悔いが残る Goro, les systèmes sont HS c'est maintenant ou jamais お父様 花子様 あなたは? お許しをどうか話だけでもお聞きください 三郎様は 父のことを口にしない これが俺にできる最後のご奉仕なのです 三郎様の死について真実を明かすことは花子様無礼を働きたくありませんしかしデイ フリー Merde Il l'a descendu Quoi qu'il ait fait, cette fois, on est bien baisé. Je savais qu'on pouvait pas lui faire confiance. T'étais censé le tenir en laisse. On ferait bien de se tirer d'ici vite fait. Putain, t'as perdu les pédales! Pas le temps d'expliquer. Il faut qu'on se voit.
Où est-ce que t'es? Dans un immeuble abandonné, sur Vine Street. Deuxième étage, appartement 303. Frappe 4 fois. Fais vite. Les cheveux, ça va? On est bientôt à l'antenne. 3, 2, 1. Ici Gillian Jordan de F54. En direct de Japantown. Défilé commémoratif en l'honneur de Saburo Arasaka a tourné à les témoins auxquels nous avons parlé. Hé, hey, vous êtes dans le champ. Allez, on recommence. 3, 2, 1. Ici Gillian Jordan. Hé, hey, vous êtes dans le champ. Trop aimable, il y a des gens qui bossent ici. Que je fais. Super. J'ai rien contre toi. De la mine d'uranium de l'Oumarinskaya qui s'est produite.
qu'il t'avait eu. En ce moment, Hanako est la personne disparue la plus connue au monde. J'en suis conscient. Donc, on a tous les soldats d'Arasaka au cul. Ouais. C'est vrai. Alors ne perdons pas de temps. Je lui ai proposé du thé. T'as kidnappé Hanako Arasaka et tu lui offres une putain de tasse de thé? Oui. Et elle a poliment refusé. Tu dois lui dire la vérité sur Yorinobu. Juste les faits. Et exposer-lui tes conditions. Toi, il t'écoutera peut-être. J'étais au Konpeki Plaza, ce soir-là. J'ai vu Saburo Arasaka mourir. Il a pas été empoisonné. C'est un mensonge inventé par notre frère. C'est Yorinobu le meurtrier. Vous êtes fou si vous pensez que je vais croire ces idiots. Yoshi. Fou! Chérie, vous avez pas idée. J'ai une voix dans ma tête, vous voyez? Un engramme. Un de vos constructs de personnalité. Un engramme? Ouais. J'ai volé la relique que Yorinobu essayait de refourguer à Netwatch. J'ai pris une balle en pleine tête quand je m'enfuyais. La relique m'a sauvé. Mais maintenant, elle essaie de me tuer. Et je dois l'arrêter. Hanako-sama, V est la preuve vivante du terrible crime commis par votre frère. Nous pourrions confirmer chacun de ces mots. Si vous pouviez l'aider à retirer la relique. Hanako-sama. Tu as entendu ça? Va vérifier. Tu fais quoi, bordel? T'as pété les plombs? Tu peux rien pour lui. Il
remerciera plus tard. Faut vite qu'on trouve un moyen de se tirer. Il y a des pièces vides sur la droite. C'est notre seule chance. Menez-le, Lyon. Ouvrez feu ! Fais attention. Tuez ! Ces motels spécialement pour les dégénérés comme nous. La clim est naze, il y a des vieilles seringues sous le lit, les chiottes sont bouchées. Non, mais sérieux, qui viendrait dormir ici? On est qu'à quelques bornes de Night City. Si quelqu'un quitte la ville, il s'arrêtera pas ici. Et s'il y va, surprise, eh ben il dormira en ville. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un motel paumé comme ça? Johnny? Quoi? Ferme ta grande gueule. Par pitié. Dire de la merde comme tu le fais risque pas de nous avancer. Ah, on dirait que les rôles sont inversés. Johnny, est-ce que tu vas là? Maintenant, c'est nous qui sommes là, à attendre que les troupes d'Arasaka débarquent. Si on frappe, tu exploses la porte. Pas de sommation. Et si c'était Goro? Tu déconnes. Il a pas donné signe de vie depuis 24 heures. Silence radio complet. Repose en paix, connard. Tu l'as vu comme moi. Même sans implant, il savait toujours se battre. Il saura se débrouiller. Peu importe à quel point on est bon à Night City. Si t'es tout seul, t'es baisé. T'as entendu ça? Une caisse. À cette heure-là, dans un coin pareil. Une caisse, quoi? Merde. Juste une. Le doigt sur la gâchette, V. Pas trop tôt. Oh, dégueu. Sur le mur, là, c'est du sang? Ouais. Je dirais le dernier connard. Donc, vous parliez d'un message? Il est assis juste là. Ça va bientôt commencer. Qu'est-ce qui va commencer? C'est une poupée. Ou un proxy? Je dois clarifier une chose. Je pense toujours que vous êtes fou, mais... Anako? C'est vous? Mais je ne peux plus me leurrer. Je vous crois. Comment vous m'avez trouvé? Vous pensiez vraiment qu'il vous suffirait de quitter la ville? Takemura m'a dit qu'il avait placé un traceur sur vous. Mais même s'il n'en avait rien fait, quand Arasaka cherche quelqu'un, elle le trouve. Une connasse de riche. Des nouvelles de Goro? On a été séparés pendant notre fuite. Ne vous inquiétez pas, Takemura est en lieu sûr.
C'est tout ce que vous devez savoir pour l'instant. Ok. Maintenant que vous savez et que vous me croyez, vous allez faire quoi? Yorinobu a planté un Tanto dans le cœur même de la corporation. Je dois agir tant que la blessure est fraîche. Et vous allez m'aider. Vous êtes la preuve vivante de son crime et de sa trahison. C'est d'abord à vous de m'aider. Je n'ai peut-être pas été assez clair. Nous devons faire vite. Je suis pressé aussi. Je suis un peu en train de mourir. Et je crois que mon cadavre ferait pas un très bon témoin. Oui, je comprends. Je veux savoir tout ce que vous savez sur Mikoshi. Mikoshi. L'un des projets phares de mon père. Une forteresse de données, avec des serveurs situés en orbite autour de la Terre. Une archive des constructs de personnalité. Des psychés numérisés, en quelque sorte. Ou une prison? C'est une question de point de vue. Dans tous les cas, ce n'est pas ça qui pourra vous sauver. Pas sans une connaissance approfondie de la relique et du processus de création du construct. J'ai retrouvé votre fugueur, Hellman. Il s'était planqué dans les jupes de Kentaro. On a parlé. Il pense que tôt ou tard, l'engramme va me consumer. Je ne peux pas arrêter le processus. Voilà une conclusion bien fataliste pour un homme de science. Au moins, j'ai pu mettre la main sur les plans d'un relique. Il y a des infos détaillées sur son fonctionnement, la documentation sur la tech. Très utile. Et encore plus avec Hellman, toujours en vie. Je vais le contacter et lui expliquer qu'on ne quitte pas Arasaka aussi facilement. Tout ce que je sais sur les constructs, c'est qu'il y en a un qui va me buter. Je sais pas comment il a atterri sur la relique. Ni comment l'enlever. Je ne vois qu'une possibilité. Le tueur d'âme. Ou plutôt, sa nouvelle version plus puissante. Vous devez l'obtenir. Moi? Mais c'est une tech d'Arasaka. Une technologie que mon frère tient à l'écart même de ses plus proches collaborateurs. J'ai les mains liées sur cette affaire. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Et maintenant? Je vais vous envoyer ma ligne privée. Contactez-moi si vous en apprenez plus sur le tueur d'âme. Pas avant. À partir de maintenant, nous devons agir avec une extrême prudence. J'ai fait mon boulot. Tu sais quoi? Quoi? Je crois que j'aurais préféré voir les troupes d'Arasaka débarquer. On a eu ce qu'on voulait. Me dis pas que t'as eu les jetons. Moi? Va chier. Non, mais réfléchis. Hier, Hanako vivait dans un monde où personne lui voulait de mal. Et aujourd'hui, elle a quoi? Une ville étrangère? Un frère meurtrier? Putain de voleur. C'est pour ça qu'elle a envoyé un proxy. Elle est seule. Et elle se chie dessus beaucoup plus que nous. Ah ah. Click. Quoi? C'est quoi, click? Le son de Salès qui s'accroche. Je lui ai parlé. Pas en personne, mais je lui ai parlé. Tu sais de qui je parle? Elle m'a contacté aussi. On a tenté le tout pour le tout, comme vous dites. Et ça a marché. C'est dur à croire, mais c'est vrai. Je te l'avais dit. Elle t'a fait une offre. Tu sais déjà tout, on dirait. Je m'arrête là ou je continue? Je sais uniquement ce que Hanako-sama m'a confié, donc pas grand-chose. Alors continue, s'il te plaît. Pas très utile pour l'instant. Je dois d'abord trouver le tueur d'âme, parce qu'Hanako, je cite, a les mains liées. Alors, il faut commencer les recherches.
Ouais, comme si le tueur d'âme était un gadget qu'on trouve à Kabuki. Je ne peux pas t'aider, mais je pense que ça en vaut la peine. Ta vie en dépend. Je suis au courant. Autre chose? Comment il va, Oda? Il se remet? Arasaka lui a fourni les meilleurs soins médicaux possibles. Mais je ne sais pas si ça suffira. Un honneur blessé guérit moins vite qu'une fracture. T'as une idée de ce qui se passe à Arasaka? Uniquement à travers ce que je vois à la télé. Yorinobu et ses pantins sourient devant les caméras et affirment qu'ils contrôlent la situation. Mais plus un sourire est grand, plus le mensonge est gros. Ta planque a complètement sauté, j'imagine. T'es où, maintenant? J'en ai fini avec les squats. C'est tout ce que je peux te dire. Alors tu devras t'en contenter. Je te rappelle. Fais attention à toi, V. Et ma... Ah, c'est quoi, ça? Putain! C'est sûr. S'engueuler comme deux petits vieux sur le banc d'un parc. Je crois qu'il serait temps qu'on se fasse un peu plus confiance. Je sais pas du tout ce que je fais. Moi, c'est peut-être devenir une légende vivante. Là, ça peut être si je surveille. Tu sais comment on fait pour savoir ce qu'on vaut vraiment? C'est quand on est face à la mort. Qu'on la regarde en face. Là, il te reste encore une chance de devenir quelqu'un. Ouais. Peut-être. Ça t'a fait comment? Quand t'es mort? J'étais sur un petit nuage. J'avais l'impression que rien pouvait m'arriver. Jusqu'à ce que ça arrive. Et maintenant, je commence seulement à réaliser que je suis mort. Après tout ce temps, t'as mis 50 ans à imprimer. Amikoshi, c'était comme si je dormais. J'étais pas conscient, j'avais pas la notion du temps, tu vois. Rien pour le mesurer. J'étais leur chose. Je me souviens juste du vide, du noir, du froid, de la peur. Je confonds avec ta mort. Amikoshi. Pourquoi Arasaka l'a construit? J'aimerais être dans la tête de Saburo Arasaka pour te le dire. Tu peux acheter les gens, leur laver le cerveau. Mais il n'y a qu'à Mikoshi que tu peux observer leur âme, la disséquer et la reprogrammer. Ils ont amassé une sacrée collection. Des runners ultra doués, victimes du tueur d'âme, puis enfermés. Ils doivent se servir d'eux maintenant, les contrôler. Alors c'est ça leur but? Avoir un contrôle total sur les gens. Classique. Asservir les gens a toujours été un but des corpos. Mais l'ambition de Saburo va encore plus loin. C'est l'humanité tout entière qui veut contrôler. Je comprends mieux pourquoi tu détestes cet endroit. Il devrait pas exister. Les corpos font souffrir les gens dans le monde entier. Mais ce qui se passe à Mikoshi, c'est pire. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on te prive du droit de mourir. Comme quand on met les gens sous respirateur. Mais il y a pire que ça.
Le pire, c'est quand on change ton identité et que tu sais même pas que t'es devenu quelqu'un d'autre. Les corpos se sont déjà emparés du monde. Et maintenant, c'est nous qu'elles veulent. Tu réalises que ce que t'es en train de me faire, c'est ce qu'Arasaka fait à Mikoshi. Ouais, je sais. C'est pour ça que je veux arranger ça. Bon, allez. On se remet au boulot. Ok, c'est parti. Beau temps pour la saison. Bah, je vois ça. Llegaste hace poco? Qu'est-ce qu'il faut saboter là? V, j'ai un boulot urgent pour toi. Quelqu'un dégomme les drones d'un pote. Wow. Rends-toi aux coordonnées indiquées et trouve-moi ça ou ces petits rigolos. Je t'ai envoyé les détails. Je viens de dire, bordel. Elle marche pas. Quoi? Je te dis, marche pas. C'est pas la répétition quand tu montes du monde. Quand tu tues du monde.
transmetteur, ça me rappelle des souvenirs. Ah ouais? En 2020, on s'en servait pour diffuser des programmes pirates. Tu sais, on balançait du punk hardcore sur les radios des flics, tu vois le genre. Ça doit être avec ça que les Raffenshi vont pirater les drones. Je me demandais combien de temps t'allais mettre. J'ai un HP encore. Ah d'accord. Hé, hey, quoi de neuf? Pas grand chose. Oui.
en fait, je dois vous laisser. Non, mais je suis con. Oui ? La biopuce, vous pouvez l'examiner. Si vous pouvez m'aider, évidemment. Contente que tu aies changé d'avis. C'est pas non plus comme si j'avais d'autres choix. Où est-ce qu'on peut se voir ? Viens à notre chapelle à Pacifica, et attends près de l'hôtel. Bien, je vais faire ça. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Maman Brigitte, j'arrive. J'arrive, mademoiselle Brigitte. Voilà. Football. Placide, comment ça se fait qu'il savait pas pour la biopuce ? Il l'a pas reconnu sur les scans. Peu d'entre nous sont au courant pour la tour Konpeki. Et Placide, il est... Il y a une bête de bas. Oh, je crois que c'est une insulte. Où est-ce qu'on va ? Tu le sauras bientôt. Yo Tila, ça va ? Ton message où ça ? Je crois pas du tout. Le Watcher n'a pas remarqué la biopuce en toi. C'est étrange. Tu lui en es pas laissé l'occasion. Ah, bah, j'ai pas fait gaffe. Ça nous compliquerait le travail. Je regarderai après. Ou alors, tu veux que je ramène. Mon jeu crash. Ouais, c'est les 8 émaux là. Je crois, non. Bon, à chaque fois que je quitte le jeu, mon jeu il crash quoi. C'est trop chiant. Ouais, j'ai vu ça. Mais j'ai pas trop compris ce qu'il faut. Ce qu'il faut faire. Ouais, mais comment ça se fait qu'elle est trop importante? C'est comment je fais charger la partie, c'est ça? Enfin, sauvegarder la partie. Ouais, je vois. Bon, verra bien. Ça a changé, c'est cool ça. Bonjour à vous, je suis Harry Fibal et vous regardez WRS News. Nous en savons un peu.
je peux pas le mettre. Allô. Ah, c'est que je vois pas que c'est trop. Ça va être trop au niveau. Ouais, du coup, hein. Donc, et merci de te passer, beau gosse. Et merci pour l'info. Où est-ce qu'on va? Tu le sauras bientôt. Watcher n'a pas remarqué la biopuce en toi. C'est étrange. Je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Tant mieux. Ça nous compliquerait le travail. C'est un ancien tunnel de métro ? Non. Un bout de réseau intercontinental maglev. Quand tous les états étaient connectés. Comme le net, il s'est effondré après la guerre. Dans le cyberespace. C'est l'endroit parfait pour te laisser interagir avec le constructeur. C'est quoi la différence avec un bon vieux taf de Netrunner? L'interface te montre les couches de données directement depuis le net, de manière lisible, bien sûr. Les simples runners ne voient qu'une carte. Ils ne peuvent pas voir sous la surface. Leur technologie n'est pas assez puissante. Comment je peux être sûr que je reviendrai? J'ai quoi comme garantie? Tu seras dans notre forteresse de données, sous surveillance. Ouais. La vôtre. Si tu savais ce qu'il y a dans le cyberespace, tu ne ferais pas tant de manières. Alors vous devez avoir votre propre version de l'interface Syntec. On a notre propre version de tout. On n'utilise rien qui vienne de la vie. Attendez, minute. Je veux d'abord savoir pourquoi vous avez besoin de Silveren. On veut contacter Al Cunningham. On sait qu'elle était proche de Silveren. Al? La relique qui était entre les mains d'Arasaka. C'est notre seule piste. Alt Cunningham. Je connais ce nom. Oh. D'où? Et par qui? Par Johnny. Mais il m'a pas dit grand-chose. Johnny? C'est bon, V. Je crois que tu devrais lui dire. À propos de quoi? À propos de nous. Le construct est actif. Johnny et moi, on peut taper la discute de temps en temps. Mm-hmm. On regardera ça aussi. Quoi, vous croyez que j'hallucine?
que je me suis trouvé un ami imaginaire? On ne sait presque rien sur la façon dont un engramme existe dans un réseau neural humain. Je vais vous dire un truc. C'est pas terrible pour l'humain. C'est quoi votre plan pour contacter Alt? On va tenter de récupérer une partie unique de l'engramme de Silverhand sur la Vieux-Plus. Alt le saura. S'il lui reste une part d'humanité après toutes ces années derrière le mur noir, elle répondra. Quoi? Vous avez jamais parlé de percer le mur noir? Je viens de le faire. Direction... Là. Connectée. Le mur connexion noir. Stable. C'est quoi au juste? Je veux dire, je sais que... Tu sais juste ce que Netwatch veut bien te dire. Le dernier rempart contre les IA après la guerre. La grande victoire de l'humanité contre le chaos. Ouais, le genre de propagande Netwatch qu'on voit à la télé, quoi. Sauf que le mur noir aussi est une IA, avec pour condition limite de ne rien laisser passer dans un sens ou dans l'autre. Si les IA pensaient comme des humains, elles l'accuseraient de trahison. Jenny, on dirait que tu vas servir d'appât. Ça te dérange pas? Non, c'est bon, fais ce qu'elle demande. Et... pourquoi vous vous intéressez tellement à Alt? Alt est la seule à pouvoir nous faire franchir le mur noir sans risque. Quand le changement se produira, on veut être du côté des vainqueurs. Le changement? Quand le mur noir a été construit, tout le monde pensait que la glace serait suffisante, qu'elle tiendrait les IA dangereuses à distance. Mais la technologie progresse, c'est inévitable. Et maintenant, une nouvelle catastrophe est assurée. Et ce sera pour bientôt. Les corporations ne voient pas le danger, mais nous, nous serons prêts. Oh, sérieux, pas la baignoire. On doit te préparer à plonger dans le cyberespace. Tu n'es pas habitué à la sollicitation neurale. Essaye pas de te défiler, V. Fais ce qu'elle dit. J'ai pas envie de griller avec toi. Quand faut y aller. Imon qui va le protéger. Léon avec John Kiri. Bon. Et maintenant. Johnny. Il paraît. Paris plongé. On est où, là? Notre forteresse de données. Notre forum. Une passerelle vers le Deepnet. Tout est... si vivant. Si réel. Le cyberespace est en mouvement constant. Il respire. L'interface ajuste le flux des données suivant les capacités de ton cerveau. Mais toi, tu es... un cas exceptionnel. Vous voyez quelque chose que je vois pas? Oui. Le cyberespace, il est toujours... trop belle. Alors, on fait quoi? On peut commencer. Tout est prêt. On a amplifié temporairement ta connexion au réseau neural de Silverhand pour prendre le fragment. On doit trouver les données sur Alt, et rien que Alt. Ça devrait prendre juste. Brigitte ? Si.
pas ça. Putain, t'as pété un câble. Et après, tu vas faire quoi après? Tu vas traîner un corporat à sachette, le foutrage de ouf, l'arroser l'essence et le faire cramer, c'est ça? Hé, hey, viens! Amène-toi! Hé, hey, viens! Amène-toi! Je suis là, mec. Hé, hey, viens! Amène-toi! C'est... Tu vas te saborder, mec! Et le reste du groupe avec! Tu sais parfaitement pourquoi je fais ça. Oh là la foutre! Continue à faire chier à Arasaka, et tu finiras par bouffer du plomb! Toi, si, par contre. Y'a que toi qui a un problème avec moi. Parce que les autres ont complètement laissé tomber. Ils se disent qu'ils pourront plus jamais être raisonnés. T'es complètement taré! Je suis le seul à avoir une vision des choses. Alors, si t'as pas mieux à proposer, je te l'ai déjà dit, va te faire foutre! Putain! On sert, Kerry. Hein? Tu disais que tu viendrais pas ce soir. Pas si tu pouvais l'éviter. J'ai changé d'avis, chérie. Regarde-toi. Tout tendu et plein de sueur. Bon, sens que c'était bon. Dommage que ça se résume qu'à ça. Faut toujours que tu foutes tout en l'air. À chaque fois qu'on passe un bon moment. Surtout quand tu passes un bon moment, non? T'es vraiment qu'un connard quand tu veux, Johnny. Putain, t'as décidé de me faire chier aujourd'hui. C'est pas qu'aujourd'hui. Comment tu peux manquer autant de subtilité? C'est bizarre pour un artiste. Ça baignait entre nous. Mais d'un coup, on n'est plus satisfaite. Putain, je rêve. Tu savais quand même dans quoi tu t'engageais, non? Écoute, si t'étais qu'un autre blaireau charismatique, mais narcissique, qui poursuivait son rêve de célébrité comme un gland, je m'en foutrais. Mais c'est qu'un gros mensonge. Ce concert, Samouraï, tout ça, c'est qu'une putain de fiction. T'es pas un rocker boy, Johnny. Admets-le. Tu serais plus à ta place parmi ces cinglés câblés qui écument de rage dans les rues en hurlant « Mort à Arasaka !» Ouais, c'est ça, je vois. T'aimes reformater tes mecs, hein, c'est ça? D'autres ont essayé, tu peux me croire. Franchement, tu crois que j'ai pas mieux à foutre? Je voulais juste te faire comprendre que tu te berces d'illusions. Et que ça tient qu'à toi de changer les choses. T'as la trouille! T'es comme Kerry, vous êtes deux lâches! Y'a que moi qui ai les couilles de tenir tête à Arasaka. Et ça, ça vous terrifie! Tous! Mais oui, Johnny S, le grand incompris de Night City, bien sûr! C'est ça le problème! Tu nages en plein délire! On est là pour baiser comme des lapins, pas pour me psychanalyser! On va en rester là pour aujourd'hui, hein? Tu peux te casser.
c'est... Je me disais... C'est vraiment un cas désespéré. Tu sais que dalle sur moi. Y'a que ça entre nous. Rien de plus. On donne un autre concert demain. Down the rebel path. Viens, faut qu'on se tire. Tu viens boire un coup, Silver Rocker? Une autre fois, Chumba. Mais s'il n'y avait pas d'autre fois, hein, Johnny Boy? Oh. Non. Calme. Allez vous faire foutre, ne touchez pas. Johnny, lâchez-moi. Ils t'ont vraiment pas raté. Jean Néo. Ça faisait un bail, Johnny Boy. Ça fait quoi? 2 semaines depuis ton dernier rafistolage. C'est pas trop moche, là, en bas? Ben, on peut dire que t'en es à un point où, si je t'enfonce un tube de plus dans le cube, tu pisseras du capillaté. Je t'ai aussi ajouté un foie synthétique. L'ancien ressemblait à un sac en papier rempli de merde. Génial. À moi, la vie éternelle. C'est pas plus mal. Ta sale gueule m'a manqué. Ah ! Foutaise. T'aurais au moins pu me passer un holocall. Pommard de mes deux. T'étais censé revenir pour ton suivi. J'aime ce gamin comme un fils. Ouais, je vois ça. Halt, elle est où ? Qui est où ? La femme qui était avec moi. Il m'a ramené que toi. Merde. Ils l'ont emmené. Personne n'a rien vu. Demande à ton sauveur. Il dit qu'il s'appelle Thompson. C'était toi? Là-bas, sur Watts? Il faut qu'on parle. Bon. J'ai recollé comme j'ai pu. Mais ça devrait tenir. Repose-toi un peu. Quelques heures. Le temps que les sutures prennent. Ah. Johnny. Ah, et puis merde. Tu m'écouteras pas de toute façon. Qu'est-ce que t'as vu? Pas grand-chose de plus que toi. C'est elle qui le voulait. Toi, t'étais au mauvais endroit. Et toi, t'es resté là comme ça, la bite à l'air. À mater comme un con en rêvant de demain. On se serait fait larder tous les deux si j'étais intervenu. T'as vu les réflexes du Zig? Non, bien sûr, il était trop rapide. Ce genre de tech, ça se trouve pas dans une poubelle.
Tu veux quoi? Tu cherches un scoop? De quoi alimenter les infodocs? C'est pour ça que tu m'as ramassé sur le pavé? Non. Je le tenais, mon scoop. Mais des Zigs l'ont balancé au fond d'un van avant de filer. Tu comptes... faire quelque chose pour elle? C'était bien ta femme, non? L'enlèvement d'Alt, c'est un dommage collatéral. Ils l'ont prise pour m'atteindre. Tu sais même pas comment elle gagne sa vie, hein? C'est une des meilleures runners au monde. Et après, il y en a d'autres. Non, son seul lien avec Arasaka, c'est qu'elle couche avec Johnny Silverhand. Elle bossait pour ITS ces derniers temps. Elle leur a écrit de la glace noire de compète. Impossible à contourner ou à dupliquer. C'est elle qu'Arasaka voulait. L'enlèvement était un échange intercorpo standard. Rien de plus. Attends. Alt avait rendez-vous avec toi ce soir. Elle disait qu'elle avait besoin de mon aide. Elle plaisantait pas. Arasaka en était pas à son coup d'essai. Mais Alt avait pu leur glisser entre les lames. Tu dis qu'elle avait la trouille. Et que c'est toi qu'elle a contacté. Ouais. Et franchement, je comprends mieux pourquoi. Bon. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Le tueur d'âme. Une IA. Ça te dit quelque chose? Ouais, un peu. Une légende urbaine avec un nom vraiment pour âme. Tigour, le tueur d'âme existe. Et tes Chumba d'Arasaka viennent de recruter la runner qui l'a écrit. Tu réalises? Arasaka avec le tueur d'âme dans leur poche. Y a de quoi s'inquiéter. Imagine un peu, Rocker Boy. Arasaka va devenir invincible. Le tueur d'âme va refroidir tous les runners qui se risqueront à lui gratter la glace. Cool, tu me raconteras le reste en chemin. T'y crois pas vraiment, c'est ça? C'est un coup vieux comme le monde. Arasaka voulait me provoquer. Et ça a marché. Bon alors, est-ce que tu viens? Hein? Où ça? La tour Arasaka. On va récupérer Alt. Quoi? À deux? T'as complètement perdu la boule? On va faire un saut à l'Atlantis. J'ai quelques tchoums là-bas. T'attends dans la caisse, mais pas trop longtemps. T'attendras aussi longtemps qu'il faudra. Elle est où, Rogue, bordel? Assis. Pas bouger. T'achèterais rien. Bien, bien. Duren, j'ai ton autographe sur une facture, là. Direct, c'est ton jour de chance. Ah, merci, j'apprécie. Je te sers un verre. La même chose que d'habitude. Pas vu Rogue? Et en haut. Et je croyais que vous deux... Ah bah t'as du mal comprendre. Oui? Putain de merde! Hey Johnny, tu me files un coup de main? Je croyais que tu voulais plus me parler. Ah ouais? Ben là, je te parle. Et maintenant? Maintenant, tu peux aller te faire mettre. Tu sais à qui il a causé? Un nom, c'est tout ce que je te demande. J'en ai aucun souvenir, désolé. Vous voulez un conseil? Vas-y, on t'écoute. Ah ouais? Johnny?
Comment est-ce que tu vas, Engels? Il y a une réunion en cours. C'est privé. Est-ce que Rogue est là aussi? Ouais, mais... Ouais, je sais. Réunion privée. J'ai entendu. Je te promets d'être super discret. Ça, c'est une surprise. On attend un client. Le genre qui apprécie la discrétion. Moi aussi, j'ai un boulot pour toi. Urgent. Mais ça paye bien. Bien. Te mêle pas de ça. C'est pas tes oignons. Si. Depuis que le Rocker a sorti son larfeuille. T'as pas compris? Il est pas du tout là pour le boulot. Il vient me faire chier. La dernière Alors, fois, sois plus maligne cette fois. Demande le pognon d'abord. Alors, le Rocker, combien? C'est Arasaka. Je comprendrai si vous refusez. Si tu voulais attirer mon attention, c'est fait. Mais si tu comptes sur une ristourne spéciale amis et famille, va voir ailleurs. Pourtant, vous deux, vous vous en prenez au corpo pour le fun, non? Pour le fun, ouais, mais pas gratos. On laisse ça au Rocker Boy. Je vous offre le double du prix habituel. Le triple. Et tu nous accompagnes. Si elle te fait pas confiance, alors moi non plus. Marché conclu. C'est ça. C'est urgent, en effet. Bordel, Johnny! T'as pas remarqué que t'étais suivi? Monsieur Silverhand, vous allez venir avec nous. C'est pas de problème. Je finis juste mon verre. Tu l'as pas volé! Putain, quel coup de l'arrêter! Il est trop bien son flingue. C'est juste de l'échauffement! Un hélico! Sérieux? T'as fait chez qui cette fois, Johnny? À couvert! Donnez-moi! Raclure de corbeau.
foutre dans le camp. On sera juste derrière toi. L'eau. On doit faire sortir de chez Arasaka. Alt Cunningham, une netrunner d'ITS. Oh. La tour, sûrement là-bas qu'ils l'ont emmené. De mieux en mieux. Vous comptez vous y prendre comment, les Pommards? L'un de vous a un plan? Ouais, on va faire du bruit, détourner leur attention. On va s'installer juste sous les fenêtres d'Arasaka et envoyer du gros son. Tout volera en éclats. Ce sera un concert mémorable. Nous n'avons pour l'heure aucune information sur le nombre exact de blessés lors des émeutes. Mais nos reporters sont sur place au quai de la tour Arasaka. Et ils sont tous du même avis, un agent psychoactif a été dispersé sur le site. Toute la foule est affectée. Génial! D'enregistrer tout ça. Pourquoi? Tu veux faire une dédicace à tes potes? Fais ce que t'as à faire, mais te mets pas sur ma route. Thompson, tu le connais bien? Non, c'est important. Il m'inspire pas confiance. Et les médias, ça porte la poisse. Hein? J'imagine qu'on trouve une vidéo après. Une vidéo de nous forçant l'entrée de la tour Arasaka. On s'occupera de ça si on survit. Allez, on n'a pas beaucoup de temps. Je crois pas qu'on verrait de nos professions. Je crois qu'on se fait. L'ordinateur central. Il faut qu'on trouve. C'est utile finalement. Allez, courez.
moins. Qu'est-ce que vous avez fait à Halt? Lui offert le projet de sa vie. Dégage de là. Halt. Halt. Allez, me fais pas ça. Elle est... Putain. Qu'est-ce que tu fous, là? Putain, tu filmes encore? C'est tout ce qui reste à faire. Montrer la vérité aux gens. Tu... Ça ne change rien. Hélène. D'accord. Tony! Arrête, Tony! Tu vas le tuer! On doit partir. Johnny, elle est morte. Thompson, il lui est arrivé quoi? Je sais pas, on n'a plus jamais bossé ensemble. Peut-être parce que tu lui as poté le cul pour te sentir mieux. Je sais pas, c'était à vos tours. Il vous laisse servir d'Halt depuis le début. Putain, il l'aurait tué lui-même s'il l'avait pas fait. Tu n'as jamais rien dit de tout ça. Ah bon? Je sais pas. Tu es en couple? Comment elle pourrait nous aider, maintenant? Elle est pas morte. J'ai vu... Halt s'est enfui. J'ai pas besoin. T'as découvert... Quand elle m'a coupé. Et alors? Qu'elle était prisonnière du sous-réseau d'Ara. Elle m'a aussi dit... Hein? Elle tenait à ce que, pour une fois, elle disait que trop de gens. Et alors? J'ai commencé par me procurer deux. Et après, t'es retourné. Et après, t'es... Putain, faut que j'arrête. Vas-y, on reprendra là-bas. Ouais, on reprendra. Demain, on reprend. Désolé, je dois arrêter. Aïe, aïe. Allez, ciao, bye bye.